Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo du retour après 2 mois de pause. Je vais prendre un rythme plus calme que ce que j'avais avant. Au lieu de faire une vidéo par jour, je serai plutôt à 2 vidéos par semaine, avec une en français et une en anglais. Pour la vidéo en français de cette semaine, je propose qu'on parte sur du overtime. Du deck un peu classique, à l'exception de la croissance géante, que j'aime bien jouer dans le overtime en ce moment, puisque ça permet de contrer le overtime miroir, plus, dans certains cas, des gros power decks. Donc voilà, un deck assez équilibré qui se débrouille bien contre pas mal de choses. Donc voilà, je propose qu'on joue ça tout de suite. Alors, McDonald Brazucas, qu'est-ce qu'il joue? Cramer ça. Pas génial. J'aurais peut-être dû le garder, mais c'est un petit peu tard. Il joue un deck très relou, de ce que je vois. Mais il n'y a pas de grosses troupes à foudre. Donc du coup, je vais pouvoir faire ça ici. Alors si ça par contre, si ça je peux l'ange noir, ce serait la folie. J'ai réussi à choper sa dryade avant de mourir. Et il le joue sans sorcière. Du coup, avec un dragon là-haut, une croissance. Puis un dragon en bas, une croissance. Il n'a pas de spectre non plus. Celle-là, ça devrait aller. Allez! Ok. Parce que bon, comme vous le savez, j'ai des gros bugs réseau. Donc quand je commence à voir que mes troupes ne s'envoient pas, il y a toujours un petit stress. Allez, sur la dryade. Très bien. Le poison. Ah non, je crois que le poison il faut 2 niveaux de plus, ça suffira pas pour les tuer. Mais au moins maintenant ils sont one shot par le dragon. Ouh, et l'ange noir ici. Ok, ça part très très bien. Tiens, on va faire grossir l'ange noir. Ah, dommage. Bon, les dragons le finissent. Alors, Olivier, qu'est-ce qu'il joue? Bon, jusque-là, j'ai un bon tirage. J'ai mes 2 fortifications. Ah, il joue une sorte de overtime, mais sans fortification. Il faudrait. Alors, je pourrais jamais stack un ange noir. Il le joue double démon. Dommage. Petit ange noir ou pas? Oui. Je vais essayer de le stack. Au moins, on le force à utiliser une foudre. Et il le joue sans sorcière. Ok. Donc il y a moyen de faire un dragon géant. Bon, à la limite, je pourrais peut-être le foudre moi aussi.
Si je fais ça, il rebalance une foudre ou pas? Ah oui, non, par contre, ça marche pas. J'ai des petits squelettes. Ok, bon, on va faire ça là. Bon, pas de sorcière, ça veut dire gros dragon. Oh, ce nettoyage! Ouais, et puis les gros dragons sont très 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 difficiles à arrêter. Si quelqu'un a pas de sorcière, c'est juste terminé. Il a pas de sort devant non plus, je vois. Bon, il a les dragons, mais c'est tout. Ok, il veut doubler le dragon ici, pourquoi pas. Je vais garder ça pour un autre dragon. Parce que celui que j'ai là est quand même déjà bien endommagé. Ah! Cool. Okay, on le force à réagir sur l'ange noir. Pas trop trop mal jusqu'ici. Petite foudre serait sympa. Suffit de demander. Comment ça fait un noir un peu ici? Bon, ça va se gagner overtime. Allez, vent. Okay. Il me reste encore une croissance, mais il faudrait que je repioche un dragon, quelque chose. Ou ça, ça peut le faire. Bon, c'est terminé, hein. Alors, Berserker Apex. Ok. Dommage, j'ai pas chopé le petit squelette. Allez, 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 cool. Ok, et on va pouvoir croissance le l'ange noir. Ok, est-ce que je peux l'élémentaire de feu pour tanker pour l'ange noir? Ça, ça pourrait être génial. Allez, tank-le! Ah, j'ai voulu le sauver. Dommage, dommage. Ok. Ok, jusque-là, ça va.
Lui, on va le sortir. Hein. Faudrait juste un petite flèche. Je vais plutôt dragon en bas. Okay, là, on peut le sortir flèche. Je peux plus le sortir flèche. Je peux d'abord flèche et ensuite sortir par contre. Très résistant lui. Après ça va, je peux le pousser. C'est pas très grave. Je vais peut-être envoyer ça pour tanker pour le dragon. Ah ça c'est mieux. Hop, on se le garde en vie. Oh là, oh là, oh là, combien il va taper lui. Oh aïe aïe aïe. Tiens, on fait ça et normalement je finis la partie là-dessus, non? Le spec plus 10 qui est mangé d'un coup. Allez, cool. Parfait. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et mettez-moi un petit pouce bleu. Cette petite pause de 2 mois m'aura fait du bien. Et voilà, je suis de retour et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.